Ja, also muss schon ein bisschen. Please, can you go out of the podium, please? We are making testings. Please. Please, can you go out of the podium, please? We are making tests. Надо сделать важное лицо, да? Может, вертикально, да? Hello. And I think we. Bonjour. Est-ce que celles et ceux qui sont assis au fond de la salle peuvent se rapprocher,
puisque nous aimerions pouvoir voir tout le monde et que tout le monde soit proche du panel. Et nous allons commencer dans 2 minutes. Please, those sitting behind. S'il vous plaît, si vous êtes assis à l'arrière de la salle, ayez la gentillesse de vous rapprocher. Thank you. Thank you. So we are starting. Bien, nous allons commencer. Your Excellencies, distinguished. Excellences, chers invités, chers collègues du MAG, mesdames, messieurs, c'est pour moi un grand, grand plaisir de vous accueillir tous. De vous accueillir chaleureusement au nom des co-organisateurs, de mes collègues, Zina et Paul. Bienvenue donc à tous. Un grand merci à vous tous d'être là. Merci également à tous les modérateurs et aux orateurs. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour discuter avec nous de l'inclusion et de l'accessibilité numérique. Donc le monde aujourd'hui, vous le savez, vit une véritable transformation à une vitesse très très rapide. Des régions entières du monde se développent, avancent, mais il y a certaines autres régions qui ont encore du retard, et notamment un grand nombre de nos concitoyens ont besoin de s'atteler à relever de nouveaux défis. Nous devons veiller à ne laisser personne de côté. Et dans cette ère numérique, dans cette ère de la révolution numérique qui touche le monde entier, je pense que c'est particulièrement actuel. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Je donne la parole à mes co-modérateur. Marilyn Cade, je suis une des co-modératrices. Bienvenue à tous et je donne immédiatement la parole à mon co-modérateur et nous allons présenter cette séance et entamer le travail. Bonjour Aldet Yodan, je viens du Cap en Afrique du Sud. Je suis ravie d'être là. Nous avons d'éminents spécialistes parmi nous qui vont nous présenter ces questions liées à l'inclusion et l'accessibilité numérique. Et nous allons tout de suite nous lancer puisque nous n'avons que 80 minutes. Donc nous avons un programme très très chargé et j'espère que nous allons pouvoir entendre les questions juste après les interventions. Bien, quelques petits trucs qui pourraient vous être utiles. Donc après avoir entendu les experts, eh bien nous allons donner la parole au public en ligne et hors ligne. Je donnerai la parole à mon co-modérateur à distance. Bon, il va vous présenter les choses, mais déjà, je peux vous dire que lorsqu'il s'agira de poser des questions, juste après les experts, eh bien, nous n'allons pas entendre les interventions et des commentaires, juste des questions. Et c'est important, oui, vous n'aurez qu'une minute pour poser vos questions. Et les intervenants n'auront que 90 secondes, une minute et demie pour répondre. Donc, nous allons essayer d'entendre le plus de questions possible. Donc, écrivez bien vos questions. Nous allons les entendre, toutes les questions sur l'accessibilité et sur l'inclusion. Et ensuite, donc, nous allons les entendre ensemble, regroupés. Et ensuite, nous donnerons la parole aux intervenants. Et donc, veillez bien à rédiger vos questions pour ne pas dépasser la minute. Paul Rainey, pouvez-vous nous présenter ces notions? Donc, nous avons des participants à distance et le débat est ouvert. Pour les participants sur place et à distance, et
C'est moi qui vais essayer de modérer un petit peu le flux des questions en ligne. Ah oui, j'aurais dû le préciser. Ne trichez pas. Ne faites pas semblant d'être un participant à distance alors que vous êtes ici bien dans la salle, n'est-ce pas? D'accord. So we're going to get straight into the digital. Alors, inclusion numérique. Rapidement pour présenter les choses. Et je vais présenter les intervenants. Madame Rubin, vice-présidente Nilmi Rubin, vice-présidente de Tetra Tech en Inde. Charles Chaban, directeur exécutif chargé de la propriété intellectuelle en Jordanie. Madame Das, directrice de la politique publique pour Facebook. Nathalie Voya, directrice et conseillère juridique à eBay. Et Adèle Suleiman de l'Union africaine. Ce que nous allons faire, eh bien, c'est de commencer tout de suite nos discussions. Donc, Madame Rubin va présenter les choses très, très rapidement. Elle va lancer le débat. Elle est vice-présidente de Tetra Tech. Et vous avez immédiatement la parole. Merci. Bon, je ne suis pas directrice exécutive, je suis vice-directrice, directrice adjointe. Et je suis basée à Arlington, en Virginie. Nous travaillons également en Californie et nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie. Et depuis peu, nous travaillons dans le domaine du consulting parce que nous sommes rendus compte que c'était véritablement lié. Et nous sommes rendus compte que si vous commencez à réfléchir à la dernière fois où vous avez utilisé Internet ou la façon dont vous l'utilisez maintenant, eh bien, en plus d'un petit appareil et d'une connexion à Internet, vous avez besoin d'électricité. Mais il y a énormément de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a environ 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et de toute évidence, eh bien, vous ne pouvez pas avoir accès à Internet. Et vous ne pouvez pas donc avoir accès à des services, qu'ils soient payants ou non. Et donc, nous travaillons pour des clients tels que USAID, la Banque mondiale. Et donc, nous travaillons sur des projets liés à l'électricité. Et si on travaille en même temps sur les questions liées à l'électricité et à l'accès à Internet, eh bien, on arrive à économiser, à gagner beaucoup d'argent et puis à gagner du temps. Et par exemple, si on met en place des câbles en fibre optique pour faciliter l'accès à Internet, eh bien, à ce moment-là, ça peut servir aussi pour l'électricité. Si vous construisez des routes, eh bien, si vous construisez des itinéraires, si vous construisez des connexions, ça sert pour les deux, ça sert pour l'électricité et pour Internet. Mais pourquoi alors que l'électricité existe depuis des lustres, il y a encore 1 milliard de personnes qui n'y ont pas accès? Eh bien, comment est-ce qu'on inclut des personnes dans les zones rurales? Comment est-ce qu'on les connecte? Peut-être parce que ce sont des personnes qui ne bénéficient pas véritablement d'une attention, l'attention qui leur est due de la part des politiques, parce qu'elles sont dans des zones très, très éloignées. Et donc, pour moi, c'est véritablement passionnant de travailler sur ces questions, de travailler sur les questions liées à Internet et à l'électricité. Je suis vraiment ravie de pouvoir en discuter avec vous. Merci beaucoup. Charles, we're going to give it up to you now. Charles, à vous. Thank you. I'm Charles Chaban. Charles Chaban, directeur exécutif de l'organisation Talal Abou Ghazal, et nous travaillons sur la propriété intellectuelle. Mais je ne vais pas seulement parler de propriété intellectuelle, ne vous inquiétez pas, je vais parler également de l'inclusion numérique. Je suis membre du MAG également. Donc, je travaille au sein de l'IGF. N'ayez crainte. Donc, bon,
je n'ai que 3 minutes, donc je vais me concentrer sur le sujet. Et notamment sur l'inclusion numérique. 3 points. Ma collègue vient de parler des zones rurales. C'est très, très important comment atteindre et connecter les zones rurales. Et vous l'avez vu dans la description de notre séance, on a posé un certain nombre de questions, comme par exemple la 5G. Est-ce que ça ne va pas nous apporter des solutions? D'après mon expérience, je peux vous dire que parfois, il faut le sans-fil. Ça peut aider à connecter un certain nombre de zones rurales. Et j'ai entendu dire que certaines zones rurales utilisent des fréquences qui ne sont plus utilisées par la télévision pour Internet. Donc vous voyez, ce sont des solutions un petit peu innovantes parce que parfois c'est difficile de les connecter avec la fibre ou des câbles en cuivre. Et bien, ils se servent de la connexion pour la télévision. Alors la 5G, ce n'est pas qu'un spectre, ce n'est pas qu'une fréquence, c'est également un service. Peut-être on pourrait utiliser ces nouveaux services pour arriver à l'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas quelque chose de spatial, de géographique, il ne s'agit pas d'atteindre matériellement les gens, parce qu'il faut donner la possibilité aux personnes de se connecter, mais il faut les former également. Notre modératrice a dit que vous savez, un grand nombre de personnes, et notamment qui n'ont pas la maîtrise ni des techniques, et parfois qui ne savent tout simplement pas lire l'anglais, donc peut-être qu'il faut mieux les former. Et il faudrait également utiliser plus les langues locales. L'arabe est utilisé à hauteur de 3% sur tout l'Internet. Bon, c'est un peu mieux qu'il y a quelques années, mais vous savez, je viens de Jordanie, je suis assez heureux de pouvoir vous dire que 70% du contenu en arabe est généré en Jordanie. Pour les francophones, c'est pas si facile que ça, mais ils sont déjà un petit peu mieux lotis. Mais si vous ne connaissez ni le français ni l'anglais, vous n'êtes pas en bonne position. Alors, quel est le rôle du secteur privé, des entreprises? Évidemment, ils doivent travailler avec les fournisseurs d'Internet et autres. Eh bien, peut-être il faudrait plus travailler avec le secteur privé et notamment au sein des entreprises. Il faudrait que les entreprises forment leurs collaborateurs, et notamment dans le domaine des promotions, par exemple. Intra-entreprise, on ne devrait pas pouvoir avoir des promotions et avancer dans les échelons si on n'a pas une maîtrise de l'Internet. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement. Ce qui est clair, et ce qui ressort de toute cette conférence, c'est qu'il faut travailler en partenariat, il faut penser de façon différente. On ne peut pas uniquement compter sur les gouvernements. Il faut avoir de véritables partenariats entre le secteur privé, le gouvernement et évidemment la société civile. Madame Das, directeur de la politique publique. Nathalie Voyat, alors peut-être Nathalie Voyat, conseillère juridique pour eBay. Hi. For us at eBay, digital then include. Pour nous à eBay, eh bien, le numérique nous sert à connecter les personnes dans le monde entier. Nous pensons que les compétences numériques et la maîtrise du numérique ne peuvent être atteintes que de façon collective. Nous avons besoin d'engagement du secteur privé et du gouvernement. Vous savez, des entreprises comme eBay, eh bien, elles permettent à tous les entrepreneurs à renforcer leur présence sur Internet. Nous les dotons des outils numériques dont ils ont besoin, ainsi que de la formation.
Et le succès sur Internet, en fait, dépend de la visibilité. Et donc, nous essayons d'aider justement les entrepreneurs et nous avons déployé de grands efforts pour trouver des solutions. Des solutions pour que cette plateforme soit plus accessible à tous les utilisateurs. Ainsi, les utilisateurs, notamment dans les pays en développement, qui n'ont pas de connectivité fiable, eh bien, nous essayons également de les atteindre. Alors, je voudrais juste mentionner que 99% de nos vendeurs exportent à l'international dans plus de 23 pays. Les marchés en ligne concernent les PME également, un grand nombre de PME, et ils sont le moteur, l'essence de la croissance économique. Les TIC ont complètement transformé la distribution de détail pour les petites entreprises. Elles leur ont permis d'atteindre des clients, de se faire connaître au-delà de leur petite zone sans avoir à investir dans des infrastructures physiques et matérielles. Donc nous sommes persuadés que la coopération avec les autorités publiques va encourager tout un chacun dans le monde, quelle que soit son origine, son genre, son identité, son expérience, donc va l'encourager à devenir un entrepreneur en ligne. Donc les marchés en ligne, comme je l'ai dit, permettent aux petites et moyennes entreprises de se servir d'outils numériques, ce qui leur permettent d'accélérer leurs transactions, leur travail au niveau national, mais également à l'étranger. Ici, je voudrais parler des femmes. Il y a de plus en plus de femmes de par le monde qui créent des entreprises, qui les gèrent, et surtout dans les pays les moins avancés. Alors pour aider les femmes dans ce domaine, eh bien eBay, comme d'autres sociétés, Facebook par exemple pour ne pas le nommer, ont mis en place des programmes comme She Trades. Eh bien, en quoi est-ce que cela consiste? Cela consiste à proposer des formations et un soutien, notamment sur le commerce en ligne. Eh bien, nous n'arriverons évidemment pas à vivre cette ère de la transformation sans l'aide des autorités publiques et nous avons absolument besoin de l'aide des entreprises publiques et des pouvoirs publics pour aider, continuer à aider les entrepreneurs à utiliser ces outils numériques. Alors, une des recommandations que nous aurions, eh bien, ça serait de mettre en place des programmes qui seraient présentés notamment par le biais d'ambassadeurs, des ambassadeurs du numérique et qui permettraient de former. D'abord, nous formerions des ambassadeurs, ensuite, ça serait une sorte de formation de formateurs et qui formeraient à leur tour des personnes au niveau local et ce pour favoriser l'inclusion. Alors je pense qu'ensemble nous pouvons y arriver et que le secteur public et privé doivent mutualiser leurs efforts pour aider les entrepreneurs à se faire connaître, notamment sur Internet. Bien, en tant que modératrice, je vais essayer d'abuser un petit peu de ma position pour vous poser un certain nombre de questions sur lesquelles vous pourrez éventuellement réfléchir tout à l'heure pour la partie débat de notre séance. Vous aurez très certainement d'autres questions, mais voici la mienne. Dans les pays qui n'ont pas encore de route, notamment dans les zones rurales, qui n'ont pas de services postaux fiables, eh bien, dans ces pays, qui n'ont pas encore les infrastructures nécessaires pour acheminer des biens, tout simplement, eh bien,
D'après vous, quelles sont les grandes mesures politiques dont nous aurions besoin pour faire avancer justement la construction de ces infrastructures? Voilà. Commencez à y réfléchir et nous allons y revenir. Bon, et j'ai un petit peu triché parce que j'ai déjà commencé moi-même à réfléchir et à étudier ces questions. Voilà. Je vais peut-être me tourner vers les intervenants en une minute. Est-ce que vous voudriez déjà réagir à ce qui a été dit? Oui, je voudrais réagir à ce qui a été dit sur les femmes. Ça n'a pas toujours été facile d'inclure les femmes dans ce domaine de l'Internet. Il y a de plus en plus de personnes qui s'impliquent dans l'Internet, mais la proportion de femmes diminue. Et là, vraiment, il faut faire quelque chose. On a parlé d'accès à l'électricité, oui. Et donc, on s'est demandé, justement, comment est-ce que l'on peut mieux intégrer les questions de genre, notamment dans ces zones éloignées, dans ces groupes de la population qui sont les plus favorisés. Accès à l'électricité, accès à Internet, accès au monde moderne, ça donne lieu à un contrôle parfois accru sur les femmes. Donc je pense qu'il est indispensable d'aborder cette question également de cet angle-là. Moins d'une minute, justement sur les femmes. Si on arrive à inclure tout le monde, femmes et hommes, eh bien, ça donnerait des possibilités incroyables pour tout le monde. C'est-à-dire que les personnes dans les pays en développé pourraient avoir accès au monde de l'entreprise. On pourrait créer des petites et moyennes entreprises. Et comme l'a dit la modératrice, eh bien, ce n'est pas seulement le rôle du gouvernement, les entreprises également, le secteur privé a un rôle à jouer, la société civile également. Donc, en incluant plus de femmes, eh bien, on arrivera à trouver plus de femmes entrepreneurs et de jeunes femmes entrepreneurs, et ça sera une très bonne chose. Et moi, j'aurais une question également à poser. Oui, commencez à y réfléchir. Dans les pays où il y a des obstacles, non seulement économiques, mais également sociaux et culturels, qui empêchent les femmes d'avoir accès, tout simplement parce qu'on considère que ce n'est pas leur rôle, ou alors on leur interdit tout simplement, donc elles n'ont pas accès à la technologie, à la mobilité, etc. Eh bien, commencez à y réfléchir également. Est-ce que vous auriez un certain nombre d'exemples de choses qui fonctionnent? Je vois Marianne Douma du Nigeria. Elle avait participé l'année dernière à la manifestation pré-conférence et elle avait parlé des barrières sociales, économiques et religieuses qui se posaient aux femmes et qui empêchaient les femmes d'avoir accès notamment à l'éducation. Donc je vois qu'il y a des personnes spécialistes de la question, mais quand on parle de l'inclusion numérique, bon, vous savez que ça touche également 50% de la population mondiale, à savoir les femmes. Alors, est-ce que vous êtes prêt à passer à l'autre question, à la deuxième question? Oui, avant d'en venir à l'autre question, Monsieur Mokhtar Yadlay de l'Union africaine, merci d'être là. Et c'est Adèle qui représente également l'Union africaine qui va intervenir, notamment dans le cadre du projet Freedom. De quoi s'agit-il? Vous allez nous présenter cette plateforme numérique. Merci, merci. Je m'appelle Adèle Souleymane. Je travaille au sein de la Commission de l'Union africaine. Pour nous qui travaillons à l'élaboration de politiques, eh bien, il est indispensable d'intégrer les questions liées à l'accès aux technologies, à la formation, au renforcement des compétences dans nos orientations politiques. Qu'en est-il en Afrique très très rapidement? Un tiers des Africains ont
ont accès à l'Internet. 1,1%, c'est la contribution de l'Internet au PIB. Mais 50% de la population vit dans les zones éloignées, dans les zones rurales du continent. L'Union africaine réfléchit à des questions liées au spectre, aux fréquences. Et nous travaillons avec les États membres sur les questions liées à la migration vers le numérique, à la transition numérique, notamment pour ce qui est de la télévision, etc. Nous élaborons des lignes directrices, des orientations politiques. Nous essayons de travailler avec les pays pour les aider à mieux utiliser les avantages du numérique après ces migrations vers le numérique. Nous avons une initiative passionnante qui s'appelle RIDA. Réglementation et politique pour une Afrique numérique. Donc il s'agit de combler l'écart numérique dans le continent. Il y a trois volets. Tout d'abord, harmonisation des fréquences et des spectres. Donc c'est avec l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui va travailler sur cet aspect. C'est très très ambitieux comme initiative, 10 millions de dollars. C'est une coopération entre la Commission de l'Union européenne et puis l'Union africaine. Ensuite, deuxième volet, il s'agit du renforcement des capacités pour nos États membres sur les questions liées à la gouvernance de l'Internet. Et là, tous les États membres, ils prendront place, donc ça sera le renforcement des capacités multiparties prenantes. Et troisième volet, eh bien, c'est la mise en place de plateformes numériques pour les régulateurs. Donc ça sera une sorte de guichet unique pour les politiques nationales, au niveau évidemment de tout le continent, mais ça sera également un outil d'harmonisation pour l'élaboration de politiques et de réglementations au niveau national. Et nous aurons également un module de formation sur la gouvernance Internet, DNS, toutes les politiques liées aux technologies de l'information et de la communication. Cette plateforme va également inclure une base de données sur les TIC, donc sur l'état des TIC en Afrique. J'espère que ça sera réactualisé réactuellement et les régulateurs pourront à tout moment voir ce qu'il en est de la situation actuelle. Et comme je l'ai dit, nous allons également nous doter d'un outil d'harmonisation pour l'élaboration des réglementations et des politiques sur le continent. En plus de cela, il y a une autre initiative. Nous essayons de nous servir des systèmes postaux dans les zones rurales. Ils existent, ces systèmes, et ces infrastructures existent, mais ils se heurtent à deux problèmes. Tout d'abord, la connexion électrique et la connectivité Internet. Alors voilà, nous avons déjà un projet de proposition où nous pensons avoir recours à l'énergie photovoltaïque ou solaire pour connecter les bureaux de poste. Et ces bureaux de poste, eh bien, deviendraient des centres de télécommunications pour fournir des services liés au gouvernement à distance, gouvernement électronique et e-gouvernement, etc. Voilà. Voilà les deux initiatives. Nous travaillons avec Internet Society sur les réseaux communautaires. Nous avons déjà bien travaillé avec eux. Et puis, très bientôt, nous comptons organiser un sommet sur ces réseaux communautaires. Et nous allons essayer justement d'atteindre ces groupes, ces populations qui sont un petit peu tenues à l'écart. Et puis, nous allons organiser une consultation sur les fréquences, sur les spectres auprès des États membres et comment mieux tirer profit des innovations, notamment ce que nous allons faire de la 5G. Avec la 5G, quelle sera notre stratégie en matière de 5G, de son utilisation quand ça arrivera jusqu'à nous. Voilà.
Je vous propose de passer au deuxième point. Accessibilité numérique. Monsieur Zizi, président de l'autorité de régulation de la télécommunication de l'Afghanistan, je vais lui demander de présenter cette question, mais je vais vous demander, en plus de vos commentaires, essayez de reprendre et d'avoir à l'esprit cette première question, à savoir l'inclusion numérique, donc l'accessibilité numérique. Dites-nous ce que vous en pensez, et puis je vous donnerai un petit bonus de 30 secondes pour parler également de l'inclusion. Good noon, everybody. Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir que d'être présent ici à cette IGF. D'habitude, lorsque je vais à un événement, il n'y a que des représentants des gouvernements. Et aujourd'hui, nous sommes 10 à la tribune et je suis le seul qui représente un gouvernement. On peut interpréter de bien des manières le concept d'inclusion numérique, mais quelle que soit notre interprétation, nous reviendrons toujours vers un même résultat. Nous voulons que tout le monde profite pleinement des technologies informatiques afin d'améliorer leur qualité de vie. Qu'il s'agisse des entreprises, de la société civile ou des États, nous croyons tous au même principe. En tant que membre d'un gouvernement, j'ai du mal à travailler avec les autres ministères au sein de mon gouvernement afin de promouvoir les raisons pour lesquelles l'informatique devrait faire partie intégrante de leur budget. Mon travail en tant que régulateur, c'est de développer le cadre réglementaire dans un premier temps, mais aussi de gérer le fonds de service universel, gérer le spectre, et surtout, il faut rappeler que la responsabilité du régulateur, c'est d'assurer un accès universel et équitable à la technologie. Donc, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que nous devons éduquer et sensibiliser nos homologues au sein des gouvernements, sensibiliser les différents ministres à l'importance de l'informatique et du numérique, les sensibiliser au sujet de l'impact que l'informatique a eu ailleurs. Nous devons nous répéter autant de fois que cela sera nécessaire pour nous assurer qu'ils comprennent l'importance de l'informatique, que ce soit par exemple pour l'amélioration des services de santé par le biais de l'e-santé et des services en ligne. Et il faut également changer les mentalités et les comportements des professionnels actifs dans ces mêmes secteurs. De même, il est tout aussi important de faire comprendre au ministère des Finances, au ministère du Budget, aux stratèges politiques, qu'il y a une corrélation positive entre la connectivité, l'accessibilité et la croissance économique, qu'il s'agisse de développement économique national et de revenus par habitant. Cette présentation ayant été effectuée, je voudrais vous dire ce qui compte à mes yeux, à savoir l'accessibilité à coût raisonnable. En effet, ce qui compte ici, c'est le coût d'accès. Et nous, notre objectif, c'est une inclusion universelle, une inclusion de toute la population. Il faudra connecter 4 milliards de personnes, il faudra connecter tous ceux qui ne le sont pas. Et pour moi, en tant que décideur politique, ça compte à mes yeux, mais cela compte aussi pour tous les autres collègues, toutes les autres parties prenantes. Comment faire en sorte que ces services soient accessibles à coût raisonnable? Moi, je viens d'un pays enclavé qui est parmi les pays les moins développés, donc cela compte d'autant plus à mes yeux. Un point auquel je pense souvent, c'est le partage d'infrastructures.
puisque cela peut réduire considérablement les coûts encourus par les opérateurs. Dans le secteur public, nous avons beaucoup de petits éléments, tous plus importants les uns que les autres. Si le ministère des Travaux publics construit des routes, il faut également qu'il y ait des câbles pour la fibre. Effectivement, le fait de creuser et d'enterrer les câbles représente 90% des coûts de développement de la fibre. Et donc, si ces câbles sont déjà disponibles dès que les routes sont construites, le coût de construction est réduit de 90%. Il y a également les hotspots Wi-Fi. Il ne me reste qu'une minute, donc je vais conclure. Nous devons travailler ensemble. Cette approche multi-acteur doit être véritablement transcrite dans la pratique. Si en tant que membre du gouvernement, je ne travaille pas en commun avec le secteur privé, nous n'allons pas arriver à notre objectif. Nous avons un rôle clé, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est exprimer un engagement politique et créer un environnement qui permette aux entreprises de faire leur travail. Mais les étapes suivantes dépendent à la fois du secteur privé et du secteur à but non lucratif, qui a un rôle très important à jouer lui aussi. Et si on fait comme d'habitude, on applique les recettes traditionnelles, nous n'atteindrons pas les résultats escomptés. Nous devons adopter des approches novatrices politiquement. Non seulement les États doivent faire preuve d'esprit d'innovation, mais aussi les partenaires dans le cadre de l'élaboration de leurs modèles économiques. Si nous restons dans notre zone de confort, nous ne ferons que décupler nos problèmes. Je voudrais ici donner un exemple précis qui a trait à la promotion de l'accessibilité d'Internet en Afghanistan. Dans le cadre de notre politique d'accès universel, je travaille également avec les personnes en situation de handicap. Et ainsi, nous avons récemment créé un groupe consultatif qui regroupe des représentants de personnes en situation de handicap, la société civile, le monde universitaire, ainsi que les organes gouvernementaux qui ont un rôle actif à jouer dans ce domaine. Nous ne faisons pas grand-chose et pourtant les résultats sont absolument impressionnants. Nous sommes vraiment en train de nous sensibiliser au sujet des besoins des personnes en situation de handicap en Afghanistan. Une personne sur 10, soit 3 millions sur 30 millions d'habitants en Afghanistan, est porteuse de handicap. Et donc nous espérons que cela va nous aider à améliorer notre mode de prise de décision politique et cela va nous permettre de comprendre quelles sont les technologies d'assistance disponibles afin d'améliorer les conditions de vie de ces personnes. Enfin, ce groupe nous a tellement inspirés que dans le cadre de notre plan stratégique pour l'informatique sur 5 ans, nous avons dédié un chapitre complet à la contribution que l'informatique peut faire à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Je voudrais simplement dire que j'ai un intérêt particulier envers l'Afghanistan puisque j'ai été invité 2 fois à me rendre à l'IGF Afghanistan. Et le président m'a soutenu tout particulièrement, a soutenu une initiative très large et très inclusive. Et le comité d'organisation a également pu participer, comité dont certains représentants sont présents ici. Et l'IGF afghan est le seul IGF national qui est une académie pour enfants qui regroupe des enfants âgés de 6 à 11 ans. Et si vous pensez que c'est difficile d'expliquer les choses à un PDG ou à un ministre, essayez d'expliquer ça à des enfants et vous verrez de quoi cela retourne. Je vous laisse présenter notre prochain orateur. Oui, ce sera Madame Nulz. Elle est directrice de la politique à Facebook. Et en Inde, vous avez une situation très intéressante puisque l'Inde compte 1 milliard d'habitants et Facebook, lui, compte 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup.
Je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce panel. Merci beaucoup de m'avoir donné ces fameuses 30 secondes pour vous donner mon point de vue sur l'accessibilité du numérique. C'est un point de vue qui, pour moi, est toutefois extrêmement personnel, puisque j'ai un neveu qui est autiste non vocal. Et donc, j'ai vu de mes propres yeux le rôle essentiel que la technologie peut endosser. Et pour moi, ce n'est pas vraiment un handicap, c'est simplement une différence d'ordre cognitif. Et donc, la technologie peut avoir un rôle qui donne des capacités à ces personnes ayant des différences. Bon, moi qui travaille pour une entreprise en particulier, je voudrais dire qu'il est important que nous comprenions bien les différents besoins d'apprentissage qu'ont les différentes personnes en situation de différence cognitive. Cela ayant été dit, je voudrais également vous informer des actions de Facebook en la matière. Nous investissons pour prendre en compte les besoins des personnes sourdes et malentendantes, aveugles et malvoyantes. Et autres types de déficiences visuelles. À ce titre, nous investissons notamment dans la production de sous-titres et de légendes pour les images et les vidéos, et nous voulons aider donc les personnes en situation de handicap. Et donc nous avons des screen readers, des lecteurs d'écran, qui s'assurent également que les personnes porteuses de handicap visuel aient accès à un panel de contenu aussi large que possible afin de développer leurs compétences. Nous travaillons également avec nos ingénieurs ainsi que d'autres partenaires appartenant à des institutions universitaires pour développer les formats de texte alternatifs automatiques, ce qui est un dispositif pour aider les personnes aveugles et malvoyantes. Cela leur permet d'avoir accès à du contenu important et de développer leurs compétences de vie. Pour ce qui est du sous-titrage de vidéos, c'est un outil extrêmement utile pour les personnes sourdes et malentendantes. Cela permet aux personnes porteuses de ces handicaps d'avoir accès aux vidéos. Mais bon, cette question, c'est un thème transversal qui ne dépend pas que d'une entreprise. Il faut qu'il implique tout un écosystème de parties prenantes. Nous sommes très fiers de soutenir l'initiative Teach Access, enseigner l'accès, une initiative portée par toute une variété d'entreprises du secteur privé avec la participation de l'Université de Stanford, le MIT, Georgia Tech. Et si nos ingénieurs traitent l'accessibilité comme un thème horizontal, qui intervient dans la dynamique de conception, vous verrez que de plus en plus d'entreprises prendront des mesures dans ce sens, mais aussi des institutions universitaires et des diplômés et des ingénieurs diplômés. Et tous ensemble, ils pourront innover pour généraliser la prise en compte de ces différences cognitives qui existent dans nos sociétés. Merci beaucoup. Notre prochain orateur sera Dr. Colos de ABC, qui va nous parler des réseaux communautaires en Afrique, de leurs avantages et de leurs défis. Merci beaucoup, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à ce forum. Jusqu'ici, j'ai entendu des statistiques, j'ai entendu ce qui est fait, et pour moi, l'accessibilité, c'est permettre à quelqu'un d'accéder. En Afrique, il existe plus de 250 millions de personnes qui n'ont pas accès à la téléphonie de base, 500 millions de personnes qui n'ont pas accès au haut débit mobile. Donc, il y a des questions fondamentales qui se posent, qui est de l'accès au signal, de l'accès au réseau, avant même de parler des questions d'accessibilité. Il y a des millions de personnes qui sont privées de ligne, à la fois pour des questions d'accessibilité, physique et des questions d'accessibilité économique.
on a créé un objectif, à savoir 1 giga pour 2% de leurs revenus. Or, actuellement, les Sud-Africains dépensent en moyenne 20% de leurs revenus pour avoir accès à 1 giga de données. Et ça, ce sont pour les personnes qui ont un revenu. Imaginez ceux qui sont sans revenu. Comment font-ils pour avoir accès à ce fameux giga de données qui est le minimum? Et donc, dans ce contexte, de nombreux gouvernements africains discutent actuellement de la quatrième révolution industrielle, la réalité virtuelle, l'Internet des objets et toutes ces autres tendances. Comment cette révolution va-t-elle contribuer à une société où la connectivité est souvent inabordable pour la population? Eh bien, moi, je pense qu'il faudrait avant tout penser à élargir l'accès et la connectivité dans ces domaines. Un représentant est allé au Mobile World Congress, au congrès mondial du monde, et la conclusion avec laquelle il est revenu, c'est que les industriels s'intéressent plus à l'idée de connecter les toilettes qu'à l'idée de connecter les personnes. Et c'est un petit peu l'idée qui est ressortie de cette conférence. Et ces statistiques que j'évoquais, elles devraient s'empirer de 8% d'ici à 2025. Donc les modèles traditionnels ont atteint en fait un plafond de verre et ne peuvent plus progresser dans la connectivité pour la population. Et je suis très surpris d'entendre les initiatives des différents gouvernements. Effectivement, il faut penser en dehors des sentiers battus. Et s'il y a une solution qui sorte des sentiers battus, c'est les réseaux communautaires. C'est-à-dire que des groupes, des communautés s'organisent afin de mettre en place ensemble les infrastructures de télécommunication dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins en matière de communication. Cela existe dans divers endroits dans le monde et un rapport publié hier faisait état de 43 pays où existent de telles initiatives. Il y a le réseau GSM, le Wi-Fi, la fibre qui sont déployés dans ces réseaux communautaires qui leur permet donc de répondre à leurs besoins en matière de télécommunication et cela peut être une solution très puissante. Comme l'a évoqué le représentant de l'Union africaine, c'est un système qui bénéficie d'une reconnaissance de plus en plus grande. Nous travaillons avec l'Union africaine, la communauté SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, et donc tous les décideurs commencent à reconnaître qu'il existe effectivement un besoin de comprendre ces besoins. Et ces besoins doivent être pris en compte dans l'action publique, puisque l'action publique pour l'instant se restreint au modèle traditionnel et ces réseaux communautaires, eux pourtant, ont réussi sans aucun soutien des cadres réglementaires et sans aucun soutien financier. Donc je vous laisse imaginer quel serait leur succès si l'environnement réglementaire et financier le permettait. Et comme le disait notre collègue afghan, il y a des ressources, de spectre GMS, de spectre LTE, les fils conducteurs, les pylônes, la fibre. Il y a des dispositifs qui sont présents. Et donc dès que l'on sort de cette logique de l'économie de marché, une logique qui nous conduit à l'échec, il faut penser au développement social. Il faut commencer à réfléchir à ce que ça veut dire quand vous avez 40% de votre population qui n'est pas connectée. Où est-ce que nous allons avec ça? Quel est le type de société que nous créons? Est-ce que nous ne pourrions pas adopter une approche différente? Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Notre dernier intervenant de Microsoft. Vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Bunmi Durowoju. Je travaille chez Microsoft en tant que responsable développement d'entreprise et je travaille sur les marchés émergents, sur les questions d'intelligence artificielle et de cloud intelligent. Et je soutiens également notre initiative pour l'accès à bas coût. Quelques mots sur moi-même et ensuite je contextualiserai mon propos. J'ai 4 enfants, âgés de 6 à 19 ans. Je suis d'Afrique occidentale mais aussi de l'ouest de Londres, comme vous pouvez l'entendre dans mon accent. Je remercie ceux qui s'en sont rendus compte effectivement. Et mes travaux se concentrent sur les partenariats émergents, sur les marchés émergents, mais également sur les partenariats qui impliquent l'Europe et les marchés émergents. Et donc,
Dans ce monde que je fréquente, je vais à beaucoup de réunions. Je vais à beaucoup de réunions et donc je peux organiser par exemple des réunions avec les agences de réglementation nigériane. Je peux me réunir avec mes collègues de l'initiative Airbond, dont l'objectif est de connecter ceux qui n'ont pas accès à la connectivité. Ou encore, je peux être à une réunion comme celle-ci. Je peux aussi me rendre au Nigeria pour agir pour les technologies émergentes, les technologies qui sont les dernières en date et qui pourront faire une différence énorme pour les communautés dans les pays en développement. Mais parfois aussi, je rentre chez moi et je m'occupe de mes enfants. Et je constate leur interaction avec la technologie. Et je me souviens aussi, quand je discutais avec ma grand-mère, j'essayais de lui parler au téléphone. Je devais appeler quelqu'un qui aille la chercher. Il fallait qu'elle arrive, qu'elle prenne le téléphone. Maintenant, nous nous rendons au Nigeria, en Afrique, et nous rencontrons des gens qui ont 3 smartphones et qui demandent aussi des iPads. Donc voilà le monde dans lequel j'évolue, moi qui travaille chez Microsoft. Et la mission de Microsoft, c'est de donner à chaque personne, chaque organisation sur la planète, d'en faire plus. L'exigence d'inclusivité et l'exigence d'accessibilité sont au centre de nos travaux. Et cette mission ne pourra pas être accomplie sans nous. Et là où je travaille, je n'ai pas d'autre choix que de considérer la technologie comme un facteur facilitant. Mais dans ce nouveau monde dans lequel nous vivons, à l'époque que nous vivons, il faut comprendre que la technologie est non seulement un pouvoir facilitateur, mais aussi un point qui nous appelle à la responsabilité. Mes collègues ont évoqué des questions telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, autant de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, le rythme de l'innovation dépasse largement le rythme de notre capacité à résoudre des problèmes. Et ça mérite réflexion, puisque je peux venir parler de blockchain, je peux vous parler d'agritech, je peux vous parler de connectivité accessible à tous. Mais si nos politiques ne sont pas alignées, si notre discussion n'est pas rapide et efficace pour faire en sorte que nos réglementations soutiennent le rythme de l'éducation, de l'innovation, eh bien tous ces beaux mots tels que inclusivité et connectivité ne seront un petit peu vides de sens. Donc je voudrais parler ici d'un point, la rapidité. Moi, j'ai passé une année entière à discuter avec des agences de réglementation. Je me suis battu pour avoir une réunion pour ne serait-ce que discuter du concept de connectivité à bas coût. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas avoir à nous battre pendant un an pour organiser une réunion. Ce n'est pas possible. Où que je sois, quand il s'agit de technologie, on ne peut pas se permettre d'attendre un an pour rencontrer une institution simplement pour discuter. Et puis, puisqu'il est ici question de penser hors des sentiers battus, je me renseigne sur mon temps de parole, je suis très sage. Donc je disais, penser en dehors des sentiers battus, c'est penser à la convergence des technologies. Très rapidement, ici, le sujet qui nous préoccupe, c'est l'accessibilité et l'inclusivité. Alors, pensons aux technologies qui existent déjà et qui méritent d'être accessibles. Le CNRI, Soundscape et tous ces autres dispositifs de sous-titrage automatique. Toutes ces technologies à disposition des personnes en situation de handicap. Eh bien, pourquoi ne pourrions pas utiliser ces mêmes technologies pour ceux qui n'ont pas accès au contenu numérique ? Parce qu'ils ne sont pas compétents au plan numérique. Et donc, il existe des penseurs qui réfléchissent à ça, mais ils ont besoin de temps, de ressources et de soutien. Autant d'éléments qui pourront faire accélérer cette conversation qui en a tant besoin. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour le public. Nos experts ont été tellement efficaces dans la gestion de leur temps que maintenant, vous allez avoir du boulot. Vous allez pouvoir écrire, noter vos questions qui vont durer une minute. Mais pendant que vous faites ça, je vais me tourner vers Paul, notre modérateur en ligne, et je vais voir s'il veut poser des
une question à nos experts avant que nous prenions les questions du public, public à la fois présent dans la salle et qui nous suit sur Internet. Merci beaucoup à tous. Je voudrais poser une question à Mohamed et Adil. L'un des défis principaux qui existent sur le continent, moi je travaille en Afrique, ce n'est pas tellement la technologie, c'est plutôt le cadre réglementaire. Donc la question que je vais poser est la suivante. Comment obtenir les changements dont nous avons besoin dans la réglementation pour faire en sorte que la technologie puisse jouer tout son rôle? Puisque l'inclusivité numérique, nous la voulons pour la 5G, mais aussi pour les réseaux communautaires, le spectre, les régimes de licence, l'allocation et réallocation dynamique du spectre, etc., etc., etc. Voilà ma question, merci. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez le temps de la réflexion, puisque maintenant, nous allons donner la parole à la salle pour les questions, et nous allons les prendre en une salve. Donc, nous allons commencer par les questions sur l'inclusion numérique. Et je voudrais simplement vous redire que nous avons une lumière extrêmement vive devant nous, donc nous ne pouvons pas vous voir. Vous avez deux guides spirituels, Zina ici et Wisdom, qui sera dans les travées. Levez la main et nous saurons peut-être vous reconnaître. Et voilà, eux, ils se baladent dans la salle pour faire en sorte que nous vous voyons. Je vois un monsieur ici, je vais simplement définir un ordre. Bon, Myriam, c'est pas vous qui allez commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'ici, 6 personnes. J'espère que je me rappellerai l'ordre. N'oubliez pas, ce ne sont que des questions et ensuite il y aura un regroupement et une réponse aux questions. Et s'il vous plaît, monsieur, dites-nous votre nom, qui vous représentez si jamais vous représentez une organisation. Dites-nous également de quel pays et de quelle région vous venez. Merci, je m'appelle Don Means. Je représente le partenariat pour l'accès public, p4pa.net, c'est notre site. Merci de nous demander de poser des questions aussi ramassées. Je travaille déjà à la formulation de ma question. Donc, avec la réforme du spectre, en quelque sorte, il faudra soutenir trois approches. D'abord, des installations d'accès public, par exemple les plus de 2 millions de bibliothèques dans le monde qui regorgent de ressources, y compris des ressources pour la formation et le soutien, mais aussi les réseaux communautaires pour une approche de bas vers le haut à l'infrastructure numérique. Et puis troisièmement, il y a également des solutions hors ligne pour ceux qui sont dans des situations, qui sont dans des emplacements très éloignés, très reculés. Et donc cela permettrait une connectivité non seulement pour le prochain milliard, mais aussi pour tous les milliards qui restent. Alors cette question est extrêmement pertinente, elle figurera sur notre rapport. Vous trouverez réponse, mais d'abord, monsieur. Bonjour. Ma question s'adresse à Madame Rubin. Comme vous le savez, l'énergie et l'électricité dépendent d'autorités différentes d'un pays à l'autre. Évidemment, ce sont des autorités qui conçoivent leurs projets séparément. Est-ce que vous auriez un exemple de pays? Ah oui, et puis il y a aussi le secteur privé qui installe la fibre optique. Donc, est-ce que vous connaissez un pays, par exemple, où ces trois entités auraient travaillé ensemble et de la manière que vous préconisiez, c'est-à-dire travailler sous forme de projet et travailler ensemble? Ou alors, est-ce qu'il y a un pays où le gouvernement est intervenu pour que ces projets soient coordonnés? Merci. Merci. Monsieur. Falah Shewal. Je représente l'autorité de réglementation de l'Afghanistan. Ma question s'adresse à M. Adil Suleiman. Une fois que la transition numérique arrive à son objectif,
comment la technologie mobile sera-t-elle répartie? Et deuxième question, quelle est la technologie utilisée la plus fréquemment pour la connectivité backhaul en Afrique? Madame, je vous en prie. Merci. Je viens de Fidji. Je voudrais poser une question au docteur Azizi d'Afghanistan. Il est très intéressant ici de voir l'articulation entre votre pays, l'Afghanistan, un pays enclavé, et un petit État insulaire en développement dans la région du Pacifique dont je viens, puisque nous faisons face au même défi, à savoir faire en sorte que le ministère des Finances donne la priorité au numérique, puisque c'est déjà bien d'avoir de la volonté politique du côté du ministre du numérique, mais il faut encore que cela soit transcrit en des initiatives concrètes. Et j'ai une question pour Madame de Microsoft, Madame qui vient d'Afrique de l'Ouest et de l'Ouest de Londres. Vous parlez de la vitesse, et bien justement, j'aimerais bien que Microsoft vienne dans ma région, dans le Pacifique, pour travailler sur les réseaux communautaires. Et une question qui m'a été posée, c'est comment faire en sorte que les agences de réglementation jouent dans le jeu. Et donc, peut-être que l'une des recommandations qui pourrait être formulée à l'issue de cette session, ce serait de créer des synergies. Ce ne serait qu'une recommandation, bien sûr, mais ce serait intéressant pour voir comment on peut communiquer avec les différentes parties prenantes et faire avancer l'inclusion numérique. Merci à tous. Going over. Yes. We're going with first of all going to the lady in front who raised her hand and then to the. Bien, vous d'abord et puis après le monsieur juste derrière. Merci. Merci aux intervenants. C'était vraiment intéressant. Il y avait vraiment des questions passionnantes. Au Nigeria, nous avons eu une réunion IGF Femmes. C'était IGF Femmes et Inclusion numérique, c'était ça le titre. Alors, l'une des questions qui a été posée, c'était de savoir comment les fabricants ou les entreprises de TIC peuvent mettre en place et construire des appareils que pourraient utiliser les personnes analphabètes ou illettrées. Donc, quelles pourraient être également les politiques étatiques à cet égard. Et puis, comment avoir accès au contenu Internet, notamment lorsqu'il ne s'agit pas de votre langue. Par exemple, est-ce que l'on peut penser, je ne sais pas moi, à des symboles, à des pictogrammes qui permettraient également aux petites entreprises de vendre leurs produits en ligne, notamment pour ceux qui n'arrivent pas à lire le contenu dans une autre langue ou parce qu'ils ne savent pas lire. Bonjour, Monsieur Al-Faizi, je représente l'autorité de réglementation des télécommunications de l'Afghanistan. J'aurais une question à poser à l'intervenant venant d'Afrique du Sud. Vous avez dit qu'un tiers des Africains seulement avaient accès à Internet. Alors évidemment, le grand défi, c'est les autorisations, d'autorisation de fréquence, etc. Alors est-ce que vous avez l'intention de passer à la télédiffusion ou à la diffusion numérique? Et comment est-ce que vous pensez ou quel temps pensez-vous consacrer au passage de l'analogique au numérique? Merci, Mary Haldakom. Je viens de l'Ouganda. Je travaille pour une organisation qui permet le renforcement des capacités, notamment pour les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a une sorte de folie qui touche absolument tout Internet. Et maintenant, il y a des taxes numériques. Et donc, le nombre de personnes qui
ont accès à l'Internet a diminué. Et nous, nous essayons de tout faire pour que les petites entreprises arrivent à surnager, voire à prospérer. Mais avec ces nouvelles taxes, avec ces nouveaux impôts, eh bien, nous sommes étouffés, ils ne peuvent plus rien faire. Qu'est-ce que vous, les dirigeants, vous pouvez faire? Nous, nous essayons de lutter contre le gouvernement, de faire entendre raison au gouvernement, mais pour l'instant, nous n'y arriverons pas. Quelles sont les solutions que vous avez à nous proposer? Bien, merci. Trois questions encore. Trois questions, et s'il vous plaît, très, très brièvement. Oui, le jeune homme là. Bonjour, je m'appelle Vassilis Christos, je viens de Grèce, de serantabolo.gr. En parlant de l'inclusion numérique, évidemment, il faut absolument tenir compte de l'aspect culturel des populations locales. Les réseaux communautaires sont tout à fait uniques parce qu'ils tiennent compte des aspects culturels et puis ils en tiennent compte pour renforcer l'inclusion. Ils créent les structures, les infrastructures, les services, les technologies. Donc il faut absolument tenir compte des questions culturelles. Et Mme Akitas, qui travaille à Facebook, je voudrais vous demander comment Facebook tient compte justement des aspects culturels des populations locales, en proposant ces outils d'inclusion numérique tels que ceux que vous avez décrits. Je suis M. Youssef, directeur général au Conseil des ministres du Liban. En fait, on entend parler de l'inclusion numérique et on a l'impression, après tous ces débats, après toutes ces questions et ces interventions, comme s'il s'agit d'une question qui est liée aux pays pauvres ou aux pays en voie de développement, aux sociétés qui sont en développement. D'accord, on parle de l'inclusion numérique. Mais qu'en est-il de l'exclusion numérique? De l'exclusion carrément, et pas dans les pays pauvres, dans les pays riches. Moi, j'habite par ailleurs ici en France. Et quand je parle de l'exclusion numérique, vraiment, je parle des pays comme la France, comme la Suisse, comme les États-Unis. Si je suis pauvre, ou si je suis chômeur, ou si je suis non averti, si je suis marginalisé, si je suis une vieille personne qui n'a pas ses habitudes à Internet, dans un monde, dans une société bien développée, où on ne parle que de e-government, e-service public, e-commerce, e-administration, bah, Internet devient une vraie barrière. Excuse me. Remember, you have to ask a... Désolé, il faudrait vraiment que vous posiez une question et vous avez dépassé la minute déjà. S'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, vous êtes gentil, vous êtes démocrate, laissez-nous aussi une petite discussion démocratique depuis le début. Vous avez un peu abusé aussi de votre situation et vous avez posé beaucoup de questions. Vous êtes gentil, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Et donc, je viens de loin, comme beaucoup de monde, pour pouvoir dialoguer, pas seulement pour poser des questions. Je vais conclure par une question. Vous êtes gentil. Donc, il y a aussi, il n'y a pas seulement l'inclusion numérique. Il y a l'exclusion numérique et dans des pays riches, et même dans votre pays. On ne va pas arrêter le progrès. On ne va pas revenir en arrière. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a aussi des mesures pour ces gens-là, pour les chômeurs, pour les vieilles personnes, pour les faibles, pour les précaires, pour les oubliés, pour lesquels Internet devient vraiment une barrière à l'entrée dans la société moderne, une vraie barrière, s'ils n'ont pas les moyens financiers ou économiques, s'ils n'ont pas un smartphone. Oui, merci. Thank you. Oui. Merci. Dernière question, oui. Bonjour, Christiane Matthews, et Panatac du Panama. Of digital technology can country. Donc nous travaillons dans le domaine du développement. Nous essayons de favoriser le développement, mais il faut que ça soit viable, notamment. Les avantages de la numérisation ne sont pas également distribués. C'est pour cela que ce type de dialogue est tout à fait fondamental. Et donc, j'aimerais aux représentants du gouvernement, vous avez dit que votre pays a mis en place un certain nombre de mesures, mais qu'avez-vous fait pour
impliquer les chercheurs, les universitaires, la société civile dans un dialogue justement pour élaborer des réponses politiques. Oui, il y avait quelqu'un, une jeune femme, qui demandait la parole depuis longtemps. Oui, je peux y aller. Très bien. Merci beaucoup. Bon, vous avez beaucoup parlé d'inclusion et d'accessibilité numérique, mais vous n'avez pas parlé d'autisme. J'ai une sœur qui est atteinte de syndrome autistique. Eh bien, elle se sert d'Internet pour avancer, pour se développer. Et puis, l'Internet, la technologie, ça l'a beaucoup aidée à s'exprimer, à étudier, à aller à l'école, etc. Pour une personne comme elle, eh bien, parfois, l'environnement, le cadre scolaire est un petit peu toxique et négatif. Donc, il faudrait inclure encore plus ces personnes pour qu'elles puissent évoluer dans un environnement sûr, confiant, et pour qu'elles puissent éviter les discours de haine et le cyberharcèlement. Que peut-on faire? Oui, eh bien, justement, notre collègue de Facebook justement faisait référence à ces aspects cognitifs. Bon, malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Merci à tous de les avoir posées. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est la chose suivante. Prenez 2 minutes et concentrez-vous sur les questions qui vous ont été adressées individuellement. Et ensuite, nous allons intégrer toutes les questions dans le rapport. Évidemment, nous allons les diffuser. Et si nous pouvons recueillir également des réponses, eh bien, nous allons les annexer au rapport. Nous avons recueilli un certain nombre de questions, donc vous allez pouvoir répondre à certaines de ces questions. Et peut-être, ensuite, vous pourrez répondre à d'autres questions. Et j'espère que nous allons pouvoir les annexer au rapport. Pour la dernière question, Nki. Et ensuite, nous allons donner la parole aux autres. 2 minutes. Oui, merci. Merci, Marilyn. Bon, il y a eu 2 grands thèmes, en fait, qui ont émergé. Tout d'abord, la pertinence des mesures au niveau local. Comment est-ce que les populations locales peuvent s'approprier Internet, Facebook? Nous avons bien conscience de ce problème. Je suis une femme asiatique, et donc je sais qu'il y a un contexte culturel tout à fait particulier lorsque nous sommes sur Internet. Il y a des bons et des mauvais côté. Donc, nous avons des équipes mondiales au siège, mais également sur les terrains. Et puis, ces équipes, eh bien, elles connaissent très, très bien les besoins et les spécificités locales. Et alors, évidemment, vous avez parlé de la question linguistique, et ça, nous y veillons. Mettre à disposition nos services dans différentes régions, c'est une de nos priorités. Par exemple, en Afghanistan, nous avons créé un certain nombre de guides de sécurité, de manuels pour assurer sa sécurité, et ce, dans les différentes langues locales, au Bangladesh, au Sri Lanka, etc. Nous essayons de renforcer les capacités dans les langues locales pour travailler avec les différents groupes communautaires, etc. Deuxième grand groupe de questions, eh bien, il s'agissait de la sécurité et de la sûreté sur Internet. Pour ce qui est de Facebook, ce que je peux vous dire, nous avons des boutons de signalisation et de notification pour tous les contenus. Donc, c'est un ensemble de mécanismes liés à l'intelligence artificielle et de mécanismes automatiques qui sont associés au contrôle humain, parce que les deux sont absolument indispensables. Et évidemment, nous avons un certain nombre de restrictions liées à la réglementation nationale. Et puis, pour nous, l'accessibilité linguistique est une priorité. Nous tenons compte des spécificités locales. Nous essayons de suivre de façon très, très précise ce qui est permis, ce qui est licite dans tel ou tel pays. Nous avons également organisé
des sommets au niveau régional. Nous venons d'avoir un sommet en Asie du Sud. Il y a eu un certain nombre de participants qui étaient là. Et cela nous permet d'échanger les bonnes pratiques au niveau local, de bonnes pratiques justement sur ce qui est fait pour maintenir la sécurité, pour tenir compte des spécificités locales. Et puis, nous avons ce système .com.safety ou sécurité que nous utilisons. Oui, Marilyn. Pour répondre à un certain nombre de questions liées aux taxes, à la distribution, à tout ce que nous essayons de faire au sein d'eBay pour inclure tout un chacun. Alors, pour eBay, le facteur libérateur, ça serait évidemment l'harmonisation des réglementations et puis l'amélioration de l'infrastructure postale. Notre expérience nous a montré qu'une des grandes barrières à la distribution, c'est les questions d'acheminement et les questions, les tarifs douaniers. Alors, ce pourquoi nous plaidons, c'est la mise en place d'infrastructures postales qui soient abordables, qui soient accessibles et qui peuvent faciliter l'acheminement et la distribution des biens. Vous avez parlé des appareils portables, des appareils mobiles qui sont de plus en plus utilisés dans un certain nombre de pays pour faire des achats en ligne. Alors, les infrastructures postales, Soleiman en a parlé, et ça, c'est tout à fait fondamental. Et évidemment, nous pouvons fournir le meilleur accès Internet. Si derrière, il n'y a pas un système de distribution des biens, eh bien, à ce moment-là, ça ne servira à rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adil. Merci. Bon, alors à ce moment-là, il faudra m'arrêter hein, parce que il y a beaucoup de questions. 2 minutes, je vais essayer. Du côté de l'offre, il faut travailler évidemment sur la réglementation, etc. Mais tout le monde doit s'y mettre. Ça doit être un travail mutuel, gouvernement, société civile, pour le législateur, pour la protection des enfants en ligne. Nous avons des plateformes pour les enfants, pour élargir évidemment l'audience. Nous devons tenir compte des différents groupes et nous devons pour cela entendre ce qu'ont à dire je ne sais pas moi, les exploitants agricoles, les femmes, etc. Les cadres réglementaires maintenant, eh bien, pour les mettre en place, là aussi, il faut être à plusieurs et il faut une coordination entre les différentes parties prenantes pour ne pas travailler de façon totalement cloisonnée. Il faut qu'il y ait une véritable cohérence. Alors, on a parlé des bureaux de poste, on a parlé des infrastructures concrètes et matérielles. Oui, bien sûr, c'est tout à fait fondamental. Nous avons des projets, deux projets par pays, 10 projets en tout. Pour l'instant, ça avance bien. Nous allons étendre ce projet pilote aux bibliothèques. Ensuite, les questions liées aux routes, à la fourniture, à l'alimentation en énergie. En Afrique, nous avons un programme qui s'appelle PRIDA. Et là, nous avons une sorte d'approche intégrée vis-à-vis de l'infrastructure. Par exemple, si vous construisez une route, eh bien, il faut qu'il y ait un système d'alimentation énergétique, la fibre optique, etc. 5 secondes. Bon. Ensuite, la question du passage ou de la transition de l'analogique au numérique, c'est prévu pour 2020. Et nous allons également organiser des formations pour les groupes les plus diversifiés possibles du plus grand nombre de pays possibles. Merci beaucoup, Monsieur Cézé. Merci.
Première question tout d'abord. Oui, les cadres réglementaires, évidemment, ça peut poser un problème, mais ils ne sont pas toujours au point. Mais par exemple, en Afghanistan, nous sommes très ouverts aux technologies et nous nous efforçons vraiment de rendre les réglementations les plus accessibles, plus simples, faciles à comprendre possible. Nous travaillons en amont, nous consultons les différentes parties prenantes, etc., pour prendre en compte leurs besoins. Ensuite, l'utilisation plus ou moins efficace des autorisations, l'octroi de licences. Et ça peut être un frein, oui, bien sûr, je suis d'accord. Et notamment ce qui concerne l'attribution de fréquences. Fidji a un problème avec son ministère des Finances. Bon, ben, c'est notre cas à tous. Mais nous devons bien comprendre que plus nous demandons des financements au ministère des Finances, plus nous allons entendre la même réponse, à savoir oui, d'accord, mais aidez-nous à générer cet argent. Oui, là, ensuite, ce qui tue le secteur, évidemment, c'est trop de réglementations, trop de taxes. Bien sûr, les taxes ont tendance à étouffer le secteur. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que nous craignons en Afghanistan, c'est que les TIC vont être réduites à néant, justement, par ces politiques. Ensuite, inclusion ou exclusion numérique, c'est la question qui a été posée. Il faut absolument, absolument y réfléchir. Nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer ces questions. Et notre collègue du Panama nous a demandé comment veiller à impliquer les autres parties prenantes. Oui, mais dans le monde entier, je pense sans doute que je suis le seul ministre qui n'a pas de secrétaire et qui n'a pas de garde du corps. Tout un chacun peut frapper à ma porte et venir me voir et me faire part de ses doléances. Et puis nous avons des processus de consultation formels et officiels. Ça, c'est très important également. Charles, Marilyn, vous aviez posé une question tout à l'heure. Mais il y avait également deux autres questions et qui sont liées. C'est les aspects sociaux et culturels et les obstacles sociaux et culturels. Évidemment, il faut en tenir compte. Mais moi, je pense que cela passe par l'éducation, par la prise de conscience, la sensibilisation. Nous devons expliquer aux gens quels sont les avantages. À ce moment-là, ils vont se concentrer plus sur les avantages que sur les aspects négatifs. Parce que dans certaines cultures, on a tendance à exclure les femmes ou même parfois les enfants ou même certains groupes d'hommes en disant « Oh non, non, ils vont apprendre des mauvaises nouvelles, ça va leur porter atteinte, ça sera dommageable, etc. » Non, 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 je pense qu'il faut leur expliquer. Monsieur Abderrahman tout à l'heure a parlé de l'exclusion numérique. Oui, les gouvernements, et pas seulement les gouvernements, je ne veux pas impliquer seulement le gouvernement, mais différentes parties prenantes devraient s'occuper de tous les groupes, par exemple des personnes âgées, mais on ne doit rien imposer. Si on veut utiliser l'Internet, très bien, pour apprendre des choses, c'est très bien. Mais si vous ne le voulez pas, il ne faut pas imposer. Tout comme la jeune femme qui parlait de sa parente qui était autiste et qui lui servait beaucoup, ça c'est très très bien, mais il ne faut pas imposer les choses. Vous avez évoqué le fait que différentes administrations au ministère fonctionnent de façon isolée. Mais parfois, la bureaucratie, c'est une bonne excuse pour ne pas avancer. On peut se placer au-dessus des ministères. On peut œuvrer à une meilleure coordination
au Nigeria et en Inde, eh bien, on s'est doté d'une politique justement sur le broadband, sur le haut débit aux États-Unis, dans certaines régions, dans certaines villes. C'est déjà fait. La FCC, la Commission de communication, a mis en place des comités consultatifs pour améliorer les choses, justement, de ce point de vue aux États-Unis. Et nous sommes en train de repenser les législations. Nous avons le Digital Gap Act aux États-Unis, donc la loi sur l'écart ou la fracture numérique. Et c'est une loi qui est en cours d'approbation. Et ça fait partie maintenant de plus en plus de nos programmes d'aide. Et nous essayons d'impliquer le plus de pays possible. Et évidemment, c'est lié à la question sur le genre. La question posée par Marilyn. Toutes ces avancées ne peuvent se faire par hasard, par accident. Il est indispensable d'impliquer tout un chacun pour que ces avancées soient véritablement inclusives, et notamment impliquer les femmes. Et dès la phase de conception et jusqu'à la phase de l'évaluation, il faut impliquer les différents groupes et notamment les femmes. Et nous, dans nos programmes, nous avons inséré la phrase pour les hommes, les femmes et les enfants. Oui, Pauline. Bon, merci pour ces questions. Ça ne va pas être facile de tirer une petite conclusion. Non. En ce qui concerne les installations, les infrastructures, on a parlé d'accès de la population et de transactions hors ligne. Oui, effectivement, il faut absolument tenir compte de tout ce qui se passe hors ligne parce que on parle évidemment du contenu en ligne, mais du contenu périphérique, c'est-à-dire du contenu hors ligne. On parle beaucoup au sein des grandes entreprises, mais également dans les PME. On parle beaucoup justement du lien entre le contenu hors ligne et le contenu en ligne. Et puis, tout ce qui a trait aux bibliothèques et justement au lieu où les deux peuvent se rencontrer. On a parlé de backhaul. Les satellites sont envisagés justement pour pallier un certain nombre de déficiences. Et c'est une conversation que j'ai eue l'année dernière justement sur l'utilisation possible des satellites. Les satellites pourraient coûter très très cher. Pour nous, cela semble quelque chose de tout à fait normal et de quotidien parce qu'on a la télévision par satellite, mais peut-être il faut essayer d'utiliser d'autres types de technologies qui sont déjà là, mais pour à d'autres fins. Les TIC, l'inclusion numérique, oui, il faudrait là aussi impliquer les personnes qui ne sont pas éduquées, qui ne savent pas lire. Je vous ai parlé de pictogrammes, de signes ou même d'utilisation de la langue locale. Eh bien, ce sont des choses qui sont déjà utilisées dans le monde hors ligne. Il faudrait l'utiliser dans le monde en ligne. Il y a également d'autres types de technologies, la technologie qui se sert du toucher, par exemple. Bon, voilà, ce sont des choses que l'on peut utiliser. Et c'est la technologie qui permet de réparer ce que la technologie détruit. Notre collègue de l'Ouganda, ce que je peux vous dire, c'est continuer à lutter, continuer à vous battre. Et vous savez, l'intégrité, l'honnêteté et la déontologie, c'est cela qui est au cœur de notre travail. Pour ceux qui mettent en place des programmes et pour
les pays que nous voulons aider, eh bien, ces pays également, et ils doivent faire preuve d'honnêteté, ils doivent être très clairs sur ce qu'ils veulent. Parce que nous, on peut avoir les meilleures intentions du monde, si en face, on n'a pas affaire à un gouvernement qui veut véritablement le bien de son peuple, eh bien, à ce moment-là, on n'arrivera à rien. Donc, honnêteté des entreprises qui veulent faire des affaires dans tel ou tel pays, mais également honnêteté et déontologie des bénéficiaires. Voilà, je pourrais continuer encore longtemps, mais merci beaucoup. Merci. Monsieur Colas. Je vais parler des cadres réglementaires. Nous avons travaillé avec une vingtaine d'agences rurales en Afrique. Mais je ne sais pas si ce sont les régulateurs mobiles qui vont être à même de connecter tout le monde. Et si on veut y arriver, eh bien, il faut informer les différentes parties prenantes. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à cette prise de conscience? Vous avez parlé d'ouverture au sein de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. Oui, il faut essayer d'avoir de véritables programmes, peut-être pas des programmes fragmentés, petits projets ici ou là, mais les grands cadres d'orientation politique, eh bien, ils peuvent chapeauter ces différents projets. Et sinon, ce sont ceux qui sont déjà en place qui pourront bénéficier de ces projets. Et donc, une fois que ces espaces sont sur pied, il faut un soutien continu. Il existe des opportunités de mettre en place des projets pilotes et de créer la confiance, puisque il existe déjà une confiance envers les opérateurs déjà installés sur le marché, puisqu'ils fournissent déjà un service souvent réputé fiable. Et donc, il faut aussi créer un climat de confiance avec les régulateurs pour montrer à quel point les modèles bénéficient au pays. Et ils sont ouverts à le faire. Donc, il faut vraiment interagir. Et il faut, comme je l'ai dit, créer un climat de confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer ce qui va se passer au cours des deux prochaines minutes. Je voudrais simplement voir combien de personnes participent à leur premier IGF et découvrent le site de l'IGF. Levez la main si c'est votre cas. Je me demandais juste si j'avais besoin de vous rappeler de quelque chose. Nous faisons une transcription de chaque session. Même si la transcription n'est pas disponible tout de suite, elle sera publiée le plus rapidement possible sur le site web. Donc lorsque vous retournerez sur notre site web, vous verrez au cours des jours à venir ces fameuses transcriptions. Donc vous pourrez revenir à ces transcriptions et tout relire si vous le voulez. C'est une ressource très précieuse et pourtant tout le monde ne le connaît pas. Je me suis engagé envers tout le monde. Nous allons effectivement passer en revue la transcription. Les modérateurs et les autres vont identifier les questions et inviter nos experts à donner des réponses qui seront ajoutées au rapport. Il y aura donc un rapport pour cette réunion qui suivra un format bien défini. Ce rapport devra être conclu dans les 24 heures qui viennent. Et nous tenterons de répondre aux questions. Donc, je me passe maintenant la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Nous aimerions simplement remercier les organisateurs et notamment l'IGF pour l'organisation de cette session. Merci beaucoup à chacun et chacune des intervenants et intervenantes. Nous apprécions vos contributions et vos recommandations ainsi que vos remarques. Nous voudrions également remercier tout le monde qui a posé une question, qui a fait des remarques. Dans la salle, nous remercions tous ceux qui nous ont suivis sur Internet.
Merci également au rapporteur. Nous apprécions beaucoup votre travail. Merci. Our meeting is concluded. Notre séance est levée. Merci d'avoir été présent. Maintenant, nous invitons Salah, notre rapporteur, ainsi que les trois organisateurs, les panélistes, et nous allons prendre une photo ici devant le loco. Merci.